iras pas loin avec cet appareil. Tiens, regarde. La base droit devant. Ça vous arrive souvent d'emprunter des hélicos, Major? Décidément, la mémoire ne te revient pas. Bonjour à tous, c'est Frosties et on se retrouve pour ce cinquième épisode du Playthrough 13 sur PC. Nous sommes en Alaska, donc dans la neige. En fait on vient de se faire attaquer sur et dans le bâtiment du FBI. On vient de s'en sortir grâce à une femme dont je n'ai pas retenu le nom, qui est une ancienne collègue. Dans notre ancienne vie, parce qu'on est amnésique, on sait plus ce qui s'est passé. Donc là on va retrouver monsieur Carrington, qui est un commandant, il me semble, qui est dans une prison, et donc on va essayer de le sortir de là. Donc cette mission est Je ne peux pas vous laisser passer sans autorisation. Hey, arrêtez-vous. Ah, c'est clair, ça commence bien. Cette vidéo va être un peu plus... Je recommence, cette vidéo va être un peu plus infiltration que les précédentes. Ouais, je suis là, il me voit même pas. Ah si, il m'a vu. Tu peux le dire. On ramassera les corps plus tard. Surgeler, c'est plus facile à stocker. Donc. Au cas où. On va mettre le corps là. Ouais, donc j'ai une arbalète. Comme un manche. Sors vite, Carrington, de là. Je vous récupère à l'arrière de la base. Je n'avais pas prévu ça. T'avais dit de ne pas laisser Jack prendre le volant. Il est presque arrivé à destination cette fois. Voilà. Voilà ce que normalement j'aurais dû faire. J'ai bien tout pris. Ça c'est intéressant. Le clic que vous voyez, c'est que normalement je peux mettre des... Donc voilà. Plein front. Et lui, je lui mets dans la narine. J'aime ce jeu. Tu l'as passé où, ton permis? McCall va nous tuer! La ferme? Ah, mais pourquoi j'ai accepté cette mission? J'aurais jamais dû quitter le Mexique. Allez, démerde-toi, moi je rejoins la base à pied. C'est ça, casse-toi. Merde, merde, merde! Quel blaireau! Encore planté un véhicule! C'est le troisième, moi.
que le gars il était à peine en train de m'attendre. Par contre, ce qui me gêne, c'est que j'ai visité des flèches pour rien. Ah bah j'en ai récupéré. Oh attends. Raté encore, punaise, c'est pas vrai. Je tire comme un manche aujourd'hui. Là ça va être chaud, mais c'est possible. On voit un peu le réalisme où la flèche atterrit direct où j'étais en train de viser. Si, là. Ah, lui, comme vous voyez, il a aussi une arbalète. Bien le coup. Des grenades. Et boum, ça sert à rien. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait il avait un casque sur la tête. Ce qui fait que quand je lui ai tiré dessus en fait bah il s'est enlevé son casque d'abord avant qu'il se prenne la balle dans la tête quoi. Bon, j'ai tout fait péter. Enfin que je me réhabitue à tirer avec ces. Avec son grenade. Il y a de la vie là-bas, on va d'abord prendre la vie au cas où. Donc il y a un niveau multijoueur ici aussi. Soigne toujours au cas où. Je me souviens que la première fois que j'y avais joué, j'étais mort souvent ici. Parce qu'on voyait des. Les gars ils sont cachés et tout. Bon, il me semblait que j'avais fait sauter des gars. J'ai remis le courant. Petit clin d'œil réaliste, on va dire, où il y a le camion ici, où on sait pas d'où il vient. Sachant qu'il serait sûrement bloqué. Par l'autre. Enfin bref.
tout à l'heure j'aurais pu prendre la pelle pour assommer le gars. Je monte. Je me suis pris une flèche. Donc voilà pour ce 5e épisode. On continuera donc dans le prochain épisode ce niveau. Donc il est entrecoupé, ils sont assez courts hein, les niveaux. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut.